C'est très urgent. Mais ça va pas à Conakry, ça va pas en Guinée. Je me demande, ça va aller dans quel domaine? Si on doit se tuer aujourd'hui. On pensait que le problème de la Guinée, c'était la politique. Conakry, Baramagaro, Conakry, Baramakinikini. Je ne peux pas rester muet avec ce qui se passe aujourd'hui à Koya. Non, c'est impossible à Kindoumaya. Je ne peux pas rester dans le silence. Je demande à la communauté catholique de Guinée de se réveiller. Je demande tous les chrétiens, tous les catholiques de Guinée de se réveiller. C'est très important. Kafri yabaroso wongoni, ça fait pitié. Ça fait pitié ce qui s'est passé aujourd'hui à Kindoumaya, à Koya. Ce qui se passe aujourd'hui là, à Kindoumaya. Ça a commencé depuis le 22. Passé là. Fonga Fala, Onga Yaiba, Legnekera Koulon, Akoudaouya Barosouungoni, Bolu Barosouungoni, Sentane Barosouungoni, Legnekara. On pensait que le problème de la Guinée c'était juste politique. Mais vraiment c'est une maladie nationale. Nous sommes envoûtés. Nous sommes dominés par la force du diable. Vous savez, si on n'a pas de respect pour la divinité, on n'a pas de respect pour la religion, on ne considère pas les lieux de culte, on n'a pas de crainte d'offenser les lieux de culte, d'abuser aux hommes de Dieu. Puis, au moins, il y a la vérité. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, je demande, par la grâce divine, par le respect divin, je demande à tout un chacun de partager ce message et d'inviter le nouveau président, le nouveau leader de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, que je supporte aveuglément, de prendre acte et de penser à ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui à Koya. À Koya. À tous les catholiques, à tous les catholiques de Guinée, partagez ce message, faites véhiculer ce message, parce qu'il y a Guinara. Il y a Guinara. Nous sommes victimes de notre silence. Le scandale se passe dans la maison de Dieu. Le scandale se passe dans la maison de Dieu, dans l'église de Guinée, l'église catholique de Guinée, où on va. Où on va. Moi, je pensais que les prêtres, les archevêques, les hommes de Dieu, les imams, devaient faire le travail que nous faisons aujourd'hui. Promouvoir la justice et la vérité. Se sacrifier au nom de Dieu. Se sacrifier pour le peuple, pour la population. Moi, je pensais que le rôle d'un imam, le rôle d'un prêtre, le rôle d'un homme de Dieu, le rôle d'une personne qui a la charge d'une communauté religieuse, c'est parler pour le peuple, c'est défendre le peuple. J'invite Antoine Collier, merci, bonjour. J'invite tous les catholiques à partager ce message. Partagez vivement ce message parce que au mouvement de la politique ferait son nom. Merci Fanta Jamila, merci ma soeur, tu es toujours là pour partager, pour lutter avec moi pour les causes nobles. Merci pour ton assistance. Et merci à mon ami Mamadi Mansari, l'enfant digne de Guinée, le grand digne. Je suis content pour ta générosité. Tu ne cesses d'aider les jeunes. Alara Koulibé, Alara Mini Bonsé, Alara Mini Khadi. Donc, je continue sur le message. Ça s'est passé dans la matinée du 22 septembre. Écoutez-moi très bien, ça s'est passé dans la matinée du 22 septembre. Autour de 10h du matin, à 10h. Et quoi? À cause d'un problème de terrain. Minden Koya. Parce que si on fait guérir, on a Koya, on a Dubrika. À cause d'un problème de terrain, ça s'est passé à Koya. Alors qu'un jugement définitif a déclaré que l'église catholique avait le droit, avait raison. Là où l'église catholique occupait, il y a déjà un jugement qui est sorti que ça appartient à l'église catholique, à Koya, occupée par le monastère de Kendoumaya. Mais laissez-moi vous dire, ce domaine était abrité à la fois par la communauté, par la congrégation de Saint-Jean, les sœurs de l'église.
de Mariama et de Kobisia occupaient ce domaine. Boré, Birako, l'église catholique de Guinée, combien de fois on avait des parcelles. On a tout laissé. Le pouvoir là, satanique, nous a fait perdre beaucoup de parcelles. Ils ont mis le pouvoir sur les lieux qui appartiennent à l'église de Guinée. Maintenant à Koya, ce n'est même pas l'autorité, c'est juste un petit groupe de villageois supporté par le chef de secteur et quelques responsables de l'administration guinéenne. Ils ont demandé à ce qu'ils partent s'accaparer du domaine de Dieu. Ndessousama, la mosquée d'Imaïdénéré, la Guinée, allait s'accaparer d'un domaine à mosquée Raborima. Amirin de Rasoussa, Arab, Raskana, Boritongo, Arab à Mosquée Ira. Car c'est un temps que nous avons dit que nous avons dit que nous comme communauté là. À l'Arab, nous avons dit que 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 communauté là. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que communauté de l'église ou communauté musulmane Ira. Nous avons mais il y a un peu de temps que le gouvernement a fait un peu de temps. Ils sont partis là, la journée du 22 septembre. Les villageois de Kendoumaya, ils sont partis pensant aller récupérer le domaine de l'église. Où déjà le jugement est déjà passé que ça appartient à l'église. Écoutez-moi très bien ce qui s'est passé. C'est la Guinée, c'est incroyable. Ça se fait pas, ça ne, je, on ne peut voir des choses comme ça qu'en Guinée. L'église, la mosquée, les lieux qui doivent être respectés. Mais bon, on peut comprendre, si nos imams sont achetés, nos prêtres sont achetés, ils ont indignement défendu la Guinée, ils n'ont jamais prêché la parole de Dieu, ça peut se passer. On va parler de la Guinée en tout. Parce que le lieu où les gens doivent avoir la crainte d'offenser, c'est le lieu de Dieu. Ils sont à la rabbi non tout ma ou à la rabbi non tout lui. Il garde à la idangania à la ramangayama. Il n'a pas la roi n'entend yamou qui nous sommes bêta. Mais bien c'est mon à la rabbi à la rabbi et beaucoup de wifi mais manerie à la rabbi palama. Village c'est Kelly et mou à la colo et mou garoum à la yara. Accompagné du chef de secteur, ils partent à Kendoumaya à Koya. Ils rentrent dans la cour. Ils commencent à casser les arbres de la cour. Pour dire que le domaine les appartient. Or que tous les jugements passés, Mrinam Kitina Moussam Alanum Adam Alitegui Bori Rafima. Parce que la terre appartient à Dieu. Kitina Moussam Alanum Ramiritek Alara Boritek Alara Mrinum Adam Adi Yama. A Kendoumaya. On tombe sur les lieux. Tout d'un coup, c'est un petit effectif innombrable qu'on ne peut pas compter. Qui tombe sur les lieux. Ils tombent sur les lieux à Kendoumaya, au village de Kendoumaya. Subitement, ils commencent à casser les arbres dans la cour. Et subitement, comme le prêtre a eu la crainte, un prêtre étranger a eu la crainte, et le menaçait de mort, qu'est-ce que le prêtre fait? Il avait eu un fusil à la tirer au coré. Le prêtre est vicaire de la paroisse de Koya. Qui était déjà menacé de mort, de quitter sur un domaine qui appartient à l'église, un prêtre, un homme de Dieu. De peur, le prêtre a fait un tir de sommation en l'air, pensant qu'il blé mané. Non, puisque le prêtre n'est pas criminel, ils sont partis à l'endroit du prêtre. Ils se sont rués sur lui en le bastonnant, le traînant à terre d'une distance estimable de 3 km. Le déshabiller, le chicoter, le frapper à mort un prêtre à Kendoumaya à Koya. On prend le prêtre, on l'envoie, les villageois le prennent, ils amènent le prêtre dans un lieu, on le séquestre, dans un lieu sous le contrôle du chef de secteur à Kendoumaya à Koya. Maintenant, le monastère a fait les appels. Appelle la police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie sont restées inertes, sans envoyer aucune intervention, pendant que les villageois demandent encore envoyer les machines pour aller détruire les lieux. Un lieu de Dieu, une église. Les villageois de Kendoumaya. Allah, autant d'un camané. Parce que vous avez un Allah, un bourrida. Alla nang beuna un alaga wayu me dede umu garunara
ala ka mi kra salima wona bombo o ma su nyane kan faride o ma su penya kan faride a parce que abaye domaine de tongo mi kra salima nane o tanga fala o khana chef de secteur wo mo kober na ngoma o khana ikiri mais si vous chassez les hommes de Dieu, si vous devez chasser les gens qui pour empêcher les gens de construire les mosquées et les églises, Pétalou m'a dit, Nayamanelou m'a dit, et le clergé appelle la gendarmerie et la police de Kendoumaya, la police, ils refusent de venir intervenir. Mais quelle malédiction pour une ville! Quel genre de peuple! Quel genre de peuple on trouve à Kendoumaya et à Koya? Quel chef de secteur est là-bas? Quel est le sous-préfet? Quel est le préfet qui est là-bas à Kendoumaya? Je demande une doléance au président de la République. La première personne qu'il doit enlever de son pouvoir, c'est le préfet de Koya et le sous-préfet de Koya. Je demande au président de la République, par la bénédiction de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour que nous avons pour lui, la joie que nous avons pour lui, que la première décision qu'il doit porter à son administration, c'est d'enlever le préfet de Koya et le sous-préfet de Koya. Quand il va sous ça, il y a église gang, et mon père Bombo, et Fotomori Bombo, et traîner 3 km pour aucune raison. Il n'a Adam Rito qu'à Fribonsien dans l'état. Et on séquestre le prêtre sur le chef de secteur. Alaka, Kaimu alaka wallaba, im alaka bangima gaga, imama tanga, pour enlever le préfet et le sous-préfet, la malédiction va commencer à sévir à cette administration. Je défendrai aveuglement ce régime pour le changement qu'il y a là. Que le changement, les sanctions commencent par ça. Aucun croyant, aucun individu n'a le droit d'empêcher là où on doit construire la mosquée, là où on doit construire les églises. À quel moyen d'en croire? Ma colon croya qui est benga moudou ni lida. Ma col adam a dit moudou na otana. Ma col gemen moudou na otan kouniki. Mais ce qui me fait mal, moi je crois que quand tu es imam, tu te sacrifies pour le peuple. Tu es là pour servir Dieu et servir les hommes. En pensant à Dieu, tu sers le Seigneur et servir le peuple, la communauté. Mais vous, vous servez vos poches, vous servez vos identités. Au moins, on dit voilà les feux, quand tu es prêtre et quand tu es imam. Mais ce qui me fait mal, j'interpelle l'archevêché de Guinée. J'interpelle l'archevêque de Guinée. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Tu n'es pas saint. Tu n'es pas parfait. Si tu entends qu'un problème comme ça perdure et que ça pousse la communauté à menacer de mort à un prêtre qui est sous votre tutelle, aucun silence, aucun sommeil, aucun retard, aucune paresse ne doit être à votre service. Vous devez dépêcher les choses. Dépêcher les choses parce que le jugement là s'est passé depuis au temps de Robert Sarah, c'est-à-dire l'exemplaire, le noble, le digne archevêque de Guinée. Arrêtez de faire le commerce dans l'église de Guinée. Arrêtez de faire le commerce dans l'église de Guinée. Servez le Seigneur, soyez le bon exemple de l'église de Guinée. L'église de Guinée est sale. L'église de Guinée est devenue injuste. L'église de Guinée maintenant ne se bat pour Dieu. Pensez à ce que Jésus a fait. Quand tu es archevêque, tu es prêtre, pense à ce que Jésus a fait. Quand on est venu le prendre, les apôtres étaient prêts pour faire la guerre. Quand Pierre a pris l'épée pour couper l'oreille, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas sacrifié ses apôtres. Il n'a pas laissé ses apôtres se mettre dans la guerre. Il n'a pas laissé ses apôtres subir le mal. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, on passe par moi. Vous n'avez pas besoin de faire la guerre s'ils sont venus me prendre. Je me sacrifierai pour vous. Qu'il n'y ait pas de bain de sang. Je partirai répondre pour vous. Je leur montrerai qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que leur roi. Jésus s'est sacrifié pour sa communauté, pour les époux, pour le monde, pour le péché, contre le péché mortel. Alors si l'archevêque ne peut pas se sacrifier, si l'archevêque, les imams ne peut pas parler pour Dieu, ne peut pas défendre la communauté, la Guinée est un peuple maudit,
pendant que Dieu a tout donné à notre peuple. Si vous voyez aujourd'hui que la morale est perdue en Guinée, les institutions civiques sont perdues en Guinée, on ne peut plus enseigner la vérité en Guinée parce que ceux-là qu'on a choisis pour défendre la vérité et la justice sont les plus maladroits et les plus tordus de ce pays. Les imams ne regardent que l'argent. Les hommes de Dieu ne regardent que l'argent et leurs privilèges. Ils servent de mauvais exemples. Ils font des vies scandaleuses où on ne peut pas les parler parce qu'on se laisse tromper pour dire que ce sont les hommes de Dieu pendant qu'ils contribuent pour la volonté de Satan. Alors, à l'archevêque de Guinée, à l'occurrence l'archevêque de Conakry, ce que se passe à Koya est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous asseoir, paresser et voir qu'un prêtre est menacé de mort. Il est traîné, chicoté, ligoté pour un domaine de l'église que vous allez vous asseoir dans la climatisation et dans la voiture avec n'importe quelle image qu'on ne peut pas vous dire cette vérité. Il faut qu'on ose dire la vérité. Nos imams peuvent faire les erreurs. La communauté est là pour parler à nos imams. Nos prêtres peuvent faire des erreurs. Nos archevêques peuvent faire des erreurs. Qu'on dise la vérité en Guinée, la vérité n'a pas de couleur. La sainteté n'a pas de couleur. La piété d'esprit n'a pas de couleur. Il faut qu'on ose dire cette vérité. Ce prêtre innocent n'est pas celui qui a été signataire de cette terre qui appartient à l'Église. Il ne part là-bas que pour servir le Seigneur, pour grandir la chrétienté, pour prêcher, pour enseigner la bonne nouvelle, c'est-à-dire apporter l'Évangile. Il n'est pas là pour être utilisé comme un outil accusateur, un outil, c'est-à-dire est victime de quoi que ce soit. Au président de la République, au nouveau président de la République, aujourd'hui c'est un premier test devant Dieu. Un premier test devant Dieu. Aujourd'hui on entend d'arrêter les gens qui ont pillé la nation, qui ont dominé ce pays, qui ont abusé ce pays. Mais on pense à quelque chose, il n'y a pas plus important que la divinité. Il n'y a pas plus important que la divinité. Si quelqu'un ose insulter l'image de Dieu, insulter la représentation de Dieu, si quelqu'un ose détruire une maison de Dieu, cette personne doit être condamnée devant le peuple de Guinée, que ce soit le préfet, le chef, le sous-préfet, le chef de secteur, ils doivent être conduits à la justice. Parce que le monastère, le clergé a appelé sans cesse la police et la gendarmerie, le responsable de la police, le responsable de la gendarmerie, s'ils sont restés ineptes, irresponsables, pour voir un bain de sang dans une maison de Dieu, il doit être démis de leur fonction, il doit être déshabillé, ces militaires, ces responsables doivent être déshabillés, le préfet doit être enlevé, le sous-préfet doit être enlevé, et nous allons commencer à prêcher la parole de Dieu. Prêchons la loi des hommes, mais n'oublions pas la loi de Dieu, parce que nous réclamons une bénédiction divine. Et je vous dis, vous qui êtes venus en retard, partagez ce message. Qu'à Koya, à Koya, ça s'est passé à Kendumaya, que les villageois Nampari, Efala, Église Irina, Okupiri, Egbinara, ils sont partis dans les lieux, ils ont cassé les arbres. Le prêtre, ayant peur, et papa m'a menacé de mort, il a fait un tir de sommation en l'air pour se sauver, et Bombo le traîner à terre comme un chien, le ligoter et aller le mettre, le séquestrer dans un coin sous le contrôle musclé du chef de secteur de Kendumaya. Ampolomeida, je vais vous dire, si on fait la guerre politiquement, talent, si la guerre religieuse commence dans un pays, il n'y aura plus de bénédiction. Si je ne vais pas aller loin, ce message est non seulement pour demander une doléance, une considération au nouveau gouvernement pour prendre des dispositions draconiennes par rapport à ce qui s'est passé à Kenya. Kiti namuna adamadinu alategi. Kiti musama adamadinu alategi. Songo musama adamadinu alategi. Kala rabori rafinara, ira iglistina, ira mosquée sana. Fouet fin de kafrida. Kafri bon sera. Il faut guérir, n'a pas fait le compte. Oui, n'a pas le compte. Tu es église, il est matifié. Cobre rapidement. N'a pas le compte. N'a pas le compte. Et moi, je demande à l'archevêché. Parce qu'à l'archevêché, nous avons des commerçants à l'archevêché. Nous avons des hommes d'affaires dans l'archevêché. Il y en a même dans la Ligue islamique. On voit une barre canato parce que Saint Anne est basse sur Saint Anne est basse sur l'église qui a basse sur mosquée qui moi et mon masaradé. Le travail que nous faisons aujourd'hui, normalement, c'est le travail des imams. Conscientiser, c'est le travail des prêtres. On n'a pas besoin de s'asseoir juste dans une mosquée, dans une église, pour dire qu'on parle pour le Seigneur. Fanny, alaka famiri, alaka miro fanny, il fait même année. Il s'est fait, il y a là. Il dort dans le bureau, il dort dans la climatisation, marcher dans les 4x4,
que Alpha Condé vous a remis, que Alpha Condé vous a acheté au minimum au sein de la communauté puis diminuer les manières de remis ma ouais conseiller ne rien à torer ma ouais manager au cafouima au cramasse mais au fanga wali nananana au fanga mon cafou président de la République ma au cafouima au fanga wali nan au imam yara ba mais au dormos que tout au niere mané au tara contre plus colon au yamane raconte plus colon au alara ouais tongo wa sensi au sasa mangeye mangé rafiré là bas irata ronka irata yala. Un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui ne pense pas à Dieu, ce peuple perd sa malédiction totale. On est maudit, on commence à devenir maudit et la preuve commence à commencer 100 ans aujourd'hui à Koya, à Kendoumaya. Kendoumaya qui autant comment la madie, autant Kendoumaya comment la madie, autant la Dankarinara, Andouniano, qui est imam, Fafi aura chef de quartier, aura chef de secteur, il n'a tout. Et mon père Bombo, et ma Kassara, et Farbomboti, et Boubobo, 3 km. Oura, on aura Mangea, Moura Sajina, ou Moussé, c'est pas Narambera, Alamou, Bartalumo, Tangafima, Nafim, Nahal ou Bonsima, ou Kadi donc, Aminim, ou Bilima, parce que Mirim, Alara Bangé Gamma. Mais Alara Miri Bomboma, Amanassé de Barou, Ota Bomboma, Ota Mouama, Église Raluna, ou ma Mosquée Ratiourata, ou moi, Mri ou Kar, le Bengé Ramara Ouroni. Quand le combat religieux rentre dans un pays, c'est fini. Regardez entre Israël et Palestine, cette guerre religieuse est une guerre qui ne finit pas. Fibre non, mais on a un problème de la guerre. Quand on a follow, on a un problème de la guerre. On a un politicien en forêt qui a une risque de mosquée d'église dans le Canada. Il y a un politicien. Parce que tant escapé à la guerre. Vous n'avez pas vu en Guinée, mais il y a un nom de Falama. Vous pensez que nous sommes parfaits? Non. Mais quand on vous rappelle que Dieu existe, vous avez des amis qui vous rappellent que Dieu existe. Mais Fiko Binanaki, Fiko Binanaki, Obra Saint-Anne et Fino Sabouira, Obra Saint-Anne et Fetongo Borira, Obra Foluson, Mounon de Falamon, Mounon de Falamon, Mounon de Akosi, Adam ou Adam ou Nere, une semaine, deux semaines, ou Amou Alfi Falaoube, Amoura tout Alama. Ama fala won tan tan fi o faray meme wora bangidera o ngi farama o runi farama o bodi farama o kan toni farama o mo man ngum madi o fam famane fakadi o mo ngum madi alanana won passa paka sono e pla sere ga ba wora pima amerika o man limira ka fuma pendant que vous êtes vivant vous voulez pas vous repentir maintenant vous voulez même pas vous repentir vous empêchez même que la parole de Dieu soit enseignée alors que Dieu vous sauve qui comporte ce message pour promouvoir la divinité pour promouvoir le respect des religions pour promouvoir l'égalité, pour promouvoir la paix, mais pour promouvoir contre les injustices, contre les crimes, contre les abus de pouvoir, contre les actes diaboliques. Que Dieu vous bénisse et que la bénédiction règne dans vos foyers et que la paix règne dans votre vie. Que la santé soit votre œuvre. Que Dieu nous unisse, que Dieu nous rassemble dans un état d'esprit de Dieu. Qu'à savoir que nul n'est parfait, mais nous devons avoir la crainte de nous éloigner de Dieu. Parce que le péché, c'est la distanciation de l'homme contre Dieu. Alors, et Allah ta'ala mange. Adam a dit, ya mundu na bendu kendumaya. Miri model mundu na kendumaya. Miri model mundu na to, ma bangé kuto, ma laka bangé kuto. To, ou gawon alpha koné, ou mounon nifal alphabé. Miri faka, miri kasara. Ou mou se se fala. Fou roube saratofa. Pi wanta ma untige na miri mundu ira. To enaka to ala ban manja fi mamadi dumbu ya famma kay fan tan tan o mon ni fan me fambe ala ko wonna tanga il faut qu'on nettoie les responsables religieux c'est pas seulement de la politique mais il faut un nettoyage total les gens qui n'ont pas la licence d'être des imams qui passent pas le temps le test les gens qui n'ont pas la licence pure d'être les prêtres et les religieux les gens qui n'ont pas le crédit de la sagesse pour être les sages de la ville ou d'une communauté. Ongri bilimbana. Nous devons élire des gens, prêtres, imams, sages, par mérite et par caractère. Parce qu'un chef de secteur comme ça, qui est sans état d'âme, un chef de quartier qui est sans état d'âme, un sous-préfet qui est sans état d'âme, les responsabilités qui sont sans état d'âme, quand est l'outa, non de Moufalama, Fanny Mouloumanata, Kheri Mouloumanata, Barke Mouloumanata. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne le courage de dire la vérité, rien que la vérité.
de parler de la justice, rien que la justice, de parler d'amour, mais dans la reconnaissance du mal. Dans la reconnaissance du mal. Merci. Partagez vivement ce message qu'à Kendoumaya, la communauté villageoise de Kendoumaya est partie détruire une église, attraper un prêtre, dire que le domaine de l'église appartient à la communauté. Et à la Raborifam. Et à Wongwen Barakana. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et l'archevêché est là-bas. Ils paraissent pour venir intervenir. Or que le dossier est fini depuis autant de Robert Sara. Que le domaine n'appartient à l'église. Même si le domaine là n'appartenait pas à l'église. Mais vous pensez qu'un lieu de culte à Guédosso Manekine, vous ne pouvez pas patienter qu'à Bar Nantiranou, je peux comprendre, ou une maison privée, je peux comprendre, mais une maison de Dieu. Une maison de Dieu. On a Makoula Mogiré Naranso. Ou à Bangé Kassara Neko. Debre kamen ko yamen o wenne alfa na ba o wenne ko botere bay la mala nanna o su sa kala nanna o sembe su to kala nanna parce que otum ala ga wenne mema Dieu vous regarde, mais c'est dommage que le pays tourne comme ça. Que Dieu nous bénisse. Alors je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? C'est la même question que j'ai toujours fait. Il y a que woman se roma woman se rom ou a dunia de kirku. Je reviendrai sur ça pour vous parler. Parce que c'est comme ça que vous avez été abusé par un certain politicien. C'est comme ça que vous avez été embêté. Quand nous on vient vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut se battre pour vous, la situation de nos frères à l'usine, la situation de nos frères, les gens sont, ne vivent plus comme ça. Ce n'est pas la faute à Roussan. Hein? Mais Roussan s'acquitte de son devoir. Maintenant, les personnes qui reçoivent de ce que Roussan donne, qu'est-ce qu'on vous donne, enfant de Fria? Mais il n'y a pas beaucoup de parler de. Au bramerie fora ne répond bra politici fora et coco herman pour politici fora et voulait pour me rambira et il fait étudier parce qu'ils sont préfinancés par les politiciens qui ont les mains sales, les satans, les démons, les lucifères du pays. M'pamane yabadi, parce que quand je parle de la communauté, je ne peux pas parler sans toucher un peu à cette ville que je vois aujourd'hui. Les mêmes personnes, Erasga et Magigira, Mamadi Doumbouya Fangambira. Vous ne pouvez pas être les pro Alpha Condé, être pro Mamadi Doumbouya, c'est être lâche. Tu peux être pro Alpha Condé, être pro Mamadi Doumbouya, c'est être infidèle, c'est être malhonnête, c'est être hypocrite. Tu ne peux pas être pro Alpha Condé à vie et à mort et être pro Mamadi Doumbouya, c'est être injuste, c'est faux. Tu ne peux pas défendre Alpha Condé et défendre Mamadi Doumbouya, mais c'est être un mécréant, c'est un tanana netana. Murillo qui sert un traître. Murillo qui sert un traître, tu seras trahi par ce traître. Les gens qui n'ont pas de conviction là, il ne faut pas les servir. Nous, Afria, on les connaît. On fait la liste. On n'est pas pressé. Le temps viendra pour les répondre. Mais en Guinée, vous avez vu, non? Des troupes de personnes qui viennent se ruer autour de Mamadi Doumbouya. Les pro-Alpha Condé, les pro-jaunes. Les pro-jaunes. Les gens qui ont défendu Alpha Condé, qui ont poussé Alpha Condé dans ses erreurs, Alpha Condé ne pouvait pas comprendre. Tout le monde disait qu'il disait la vérité, ils ont suivi, il avait raison. Il avait... Les dignitaires de la Guinée, les mêmes imams et les mêmes prêtres là, qui restent calmes quand Koya est en train de vivre une vie de saleté et de démon. Le notoire de Conakry, ce n'est pas un problème politique. Notre société là, on a besoin de faire le lavage. Et je crois que, après vous êtes Kérim, l'accès que tu as fait, ça dans sa compte et la paix sont possibles. Il n'a rien tant qu'il pouvait le faire. Compte Topara Dadis Narafa, CNDD. Il voulait tout faire. Il a bien commencé. Ils l'ont empêché. Oh, m'a dit Pambarfa, Kurugeme Saranara. Kurugeme Saranara. Quand on a raté Tampana, on a 10 dignitaires et tout, les saletés et les politiciens là. Au moins, les Gnéronga, au moins, les Gnéronga, les Gnéronga, les Gnéronga, Maman dit. Et tant Kougourou et Nana autour de toi, c'est les premiers qui s'empressent pour venir autour de vous. Pour vous raconter les balivernes. Pendant qu'on les connaît. On a tout ici dans les réseaux sociaux. Les pro-alpha, les pro-jaunes, les gens qui ont accepté qu'on mette nos fidèles amis, les dignes, les grands combattants de la paix et de la justice en prison. On les voit aujourd'hui sortir leurs têtes, les caméléons. Mais on viendra en détail. Aujourd'hui, je voulais rester dans le cadre de l'église, c'est que c'est pas ça quoi, hein? Mais je viendrai pour ça. Walu arara walira non, anafé komi fari, oma fala masononto, mutana walu mamadi arara walaba.
on va mon sonora pour on alpha bien sonné ou ta ma pour la mutambo on alpha on a mindé et tout le mutang qui fait ça mon farima on mindé mon bore ton na geli on mindé et tout le casser rabama on mindé autant comme long longma l'argent qu'il va utiliser des impôts pour construire nos mosquées nos églises tout les unions ne comprennent pas on mindé on voit manière alpha faran aura tous alpha roma ala tour afang le guinek ala tour ma wombe la fait tout mon fils alpha est vivant. On va anticiper les audits où les moussa malfaroum. Les inconscients là, ils moulent ça malfaroum. Alpha est vivant, hein. Et n'en a pas touché, ils moulent ça malfaroum. Il fait sortir son dossier, il va te dire combien il t'a donné. Dieu veut nous aider, sinon Alpha allait mourir dans les mains de ces gens là. Et il brûle tout sous alfaroum. Les gens là n'ont jamais aimé Alpha. C'est les premiers ennemis du Alpha, ce sont ces personnes là. Et les ennemis du peuple. Alors personne ne jouera ce jeu de caméléon. Au milliard de Tongouri, un maréchal qui a plus de 35 villas. En 5 ans, attendant ce temps, des châteaux. 5 ans, il a financé beaucoup d'entreprises. On y fait un cas. Il n'y a rien de fait. 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 Et bien, mon nara, la Guinée BC et c'est le savoir. Et vous voulez l'alphabet et couler ça pour lui dire quelque chose qui plaisait au leader, au président qui s'est aveuglé par les mensonges et les fausses promesses. Il a donné des choses, c'est resté au service. 1% de la population, pendant que le peuple était là, comment? Regardez Conakry. Allez-y en Sierra Leone. Allez-y au Sénégal. Allez-y en Côte d'Ivoire. Vous aurez honte de dire que vous êtes Guinéen. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Alors aujourd'hui, on va vous répondre. Les gens qui se disent comme ça, qui sont les défenseurs de causes nobles, mais on parlera par preuve qui tu étais. Quand tu poussais, tu encourageais Alpha dans ses impunités, qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais? On présentera ça. Mais l'internet là, ça ne ment pas. On a capturé tout et on va défendre. Que Dieu bénisse la Guinée parce que Mamadi seulement ne sera pas sauvé. C'est nous qui devons être les témoins oculaires. Ne faisons pas de faux témoignages. N'ayons pas peur. Dieu a dit, hein, c'est la charia, ça existe même dans le Coran. Ça existe dans la Bible. L'œil que tu mettras, tu feras dans ton enfer. Enlève l'œil là, la main que tu perds en train d'en faire, enlève ça. Donc, quand Baba ne reçoit mon jaganama, il kate ira et banara. Quand Gane reçoit mon jaganama, il manque bien à faire. Namo ira inkarkirma ya kanama, amir bari ya kanama. Mais na reçoit centaine mouyo fora. Donc, rien dans la Guinée tout kafrinera. La Guinée kafri. La Guinée, c'est des ibrousaï. Comme Abaka Marasa, c'est le parrain de la gabégie politique en Guinée. Mais il y a un million sur toi. 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 Parce que le Guinée vote malheur, c'est que vous regardez que les liquidités. Les liquidités, là, on vous donne ça. On intente d'abuser à votre communauté. Vous m'en comprenez. Écoutez, mieux vaut vivre dans la pauvreté, c'est-à-dire avec honneur, mais avoir l'espérance de vie. Et ça, que demain, tu seras béni et tu n'auras pas honte. Les gens qui ont choisi la facilité, ils mettent tout. Alani Danka. Et facilité de l'homme, mais ils ont dit, Kafilan kafura monera ya gitare ramonera fisi woli ramonera hypocrite lâche ramonera itamun ma fallait dire la Guinée kabeto en alpha forera fallait ko yena ma di fantora parce que yo te kolon tari na ngoya wongoni donc nanara donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne le courage de dire la vérité. C'est la voix du motivateur. Merci à vous tous. Alors ko wobe ala ora de bin tina fani soto. Qui ne veut pas avoir un chef sur lui? Qui ne veut pas avoir un Richard dans sa famille? Qui ne veut pas avoir le confort dans la vie? Qui ne veut pas la bonne éducation? Qui ne veut pas ce que ces gens-là ont, mais refuse de vous accorder cela? Qui ne veut pas? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes à récupérer. Promotez vos frères. Promotez les enfants des différentes villes. Nous, Afrique, on a une liste. Hein? On a une liste. Ça ne finit pas. C'est intarissable. Et on va promouvoir ça. Les gens qui ont fait échouer la ville de Fria, ils n'auront pas de place. Et le président a dit, aucun de ceux-ci ne sera le gouvernement. Il n'y a pas de masque. 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 Il n'y a pas de masque.
Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Alors santé à vie, wombirima. Alors alliance à vie, wombirima. Alors kravane à vie, wombirima. Alors la yusu wongoni. Alors wongoni na tanga dita kugurima, dita kafirima. Alors ibuli sa na kanso koya kete gineki. Alors na mule na kifin tagbete. Alors président nga gawale yara. Alors la kolom. Alors chef social c'est d'abord de mener kaf prôner la justice et la vérité. Alors la tanga dimri kobinri na qui sont capables de dérouter tous les présidents du monde. Parce que même si tu envoies un jugé en Guinée, un prophète en Guinée, la Guinée car, on ne m'a pas entendu. La Guinée car Kobi, assis dans le coin avec lui. Mais que nous maya tant, autant, on a d'encore un arrow faka. Allah kaya te masi wobe. Na kambiri mon père bon bon. Allah kaya te masi wobe. Policier n'ra na na gendarme, ikli imufa. Allah kaya te masi ibe. Chef de quartier n'ra mère, amu amufa. Allah kaya te masi parce que Kamiri a kanke mon malata ma. Allah na na misa. Na tant na Allah na ma. Na na Allah na ma. Merci, c'est la voix du motivateur. C'est la voix de motivation Jeannot Kumbassa. Pour les enfants de Fria, Fria mon choix, Fria ma ville, en train de faire beaucoup de projets aujourd'hui. Nous vous demandons donc de venir, c'est-à-dire enregistrez-vous avec Fria mon choix, Fria ma ville. On a des projets. Nous, nos projets, c'est quoi? C'est sur les immobiliers, les investissements. C'est pas Farifé Mara, Nyaganyaga Fira Mara, Mamaya Fira Mara. Non, c'est pas pour une identité, c'est pour tout Fria. Tu viens, tu as le mérite, tu seras le président de Fria mon choix, Fria ma ville. Tu viens, tu as des idées, tu seras le plus sollicité que Fria de Clam. Venez avec Fria mon choix, Fria ma ville. Il y a mon amende. Personne n'est mieux que personne. Et tout le monde a une qualité. On respecte la qualité de chacun. Venez. Et endosser aussi un autre mouvement à Fria que l'ensemble là aussi avait initié. Et les leaders de, je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié le nom, l'ancien Koulidal n'est pas là pour me dire, je crois que c'est un truc de leader comme ça, et je vous enverrai, je vous rappellerai ça, et c'est une association qui était là aussi, qui parlait des projets pour créer de l'emploi, pour créer des projets, pour ne pas qu'on ne dépende que de l'usine de Fria. Nous voulons innover cette ville. Nous voulons que chacun ait sa part. Nous voulons que chacun ait une possibilité. On veut que chacun soit prometteur pour son éducation. Kimbo leader, merci et au président, au responsable de Fria mon choix, Fria ma ville, Maudit Kone, merci de m'avoir dit. Kimbo leader. Kimbo leader, c'est tous les cadres. Tous ceux, en tout cas, la porte était ouverte pour tout le monde. Tous les cadres de Fria qui sont à lecture partout. L'ensemble là, Mfali, Mori et autres, et Santoubari, tout le monde, d'autres, Karim Bangoura Beni, ils ont pensé à ça pour créer un plan d'action pour que tous les cadres viennent donner leur bon côté pour aider cette ville. Toutes les villes peuvent faire pareillement. Mais en attendant, Fria mon choix, Fria ma ville, parraine pour recevoir tout le monde, pour aider tous les enfants de Fria, pour encourager toutes les promotions qui peuvent construire cette ville. Donc, Rio a été colon à Fria Dina Netana, qu'on ne te manipule pas. On a voulu manipuler ce mouvement, dire que c'était politique. Non, 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 non. Ces mouvements, ce sont des mouvements de famille, de vie de famille. On a mis la soumoure, on a matayalan. Mais ils ont des mérites, ils ne sont pas encouragés. On vous encourage à venir avec Fria mon choix, Fria ma ville, Kimbo leader. Venez, tant qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place pour encourager les gens, parce qu'on peut utiliser toutes les forces pour construire une ville. Venez, venez, venez. Jeannot ne le dit pas politiquement. Jeannot motive. Jeannot est là pour faire passer le message. Ils ont voulu utiliser Jeannot comme un objet politique pour détruire les projets qu'on voulait faire à Fria. Tous les enfants de Fria, vous êtes conviés de venir joindre, vous joindre à Kimbo leader, Fria mon choix, Fria ma ville, c'est sincère, Mamaya Fimara, Farifiramara, Kalekali Firamara, c'est venu utiliser vos talents, vos intelligences, vos projets, vos initiatives. On va travailler ensemble. Vous qui êtes les plus diplômés, les plus éduqués, les plus bénis, les plus dignes et les plus soucieux pour Fria, venez, on va mettre en pratique nos mérites. Que Dieu vous bénisse tous les enfants de vous, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu protège notre nouveau président. Mamadi Kolné, Mamadi Doumbouya, que Dieu bénisse CNRD, que Dieu les protège contre, comme le dit en dessous, les Kouguri de la Guinée, les Kouguri de la Guinée, les traîtres de ce pays, les infidèles à tous les régimes et les conformistes à tous les régimes, les camélons de ce pays. Il faut qu'on prête attention parce que ce n'est pas eux maintenant, c'est d'autres personnes, ils mettent leur argent pour investir sur d'autres personnes, pour encore toujours suivre notre nation, pour toujours dérouter notre nation. C'est les gens qui sont prêts à tout faire.
pour ne pas commander Djumba mettre main à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'iront bien entendu faire une communauté mounière et n'assurer créer d'autres organisations, d'autres activités pour protéger leur tête. Ça ne marchera plus en Guinée. Essayons d'être vigilants, essayons qu'on se donne les mains, qu'on travaille ensemble pour protéger non seulement la Guinée, mais nos différentes villes. Jeannot, le motivateur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ouais, Fatmata Aminoud, la piscine fait partie du projet, le cinéma fait partie du projet, tous les lieux dignes de prière qui sont les meilleures références de prière, ça fait partie de nos projets. Merci et à ma soeur, merci beaucoup. Cheikh Bamba Fofana, prière c'est ma, la bokeh c'est sur mon père. Bokeh c'est mon père. On est en train d'organiser des associations pour aller voir le cas de Bokeh de Bofa. Tout ce qui s'est passé. La Guinée dit on sait ce qui se passe dans les mines à Bokeh comme ça. On voit les politiciens ce qu'ils ont fait. Nos seniors, nos papas, nos seniors de Bokeh, ils ont trahi Bokeh. Ils ont trahi Bokeh. Comme à Kankan, comme à Sigri, comme à Fourkare, comme toutes les autres villes. On va faire face à cela. On ne permettra plus à ces seniors de détruire nos différentes régions. Nous devons pas nous battre par affinité ou par appartenance familiale ou ethnique. Non. C'est impossible. On doit être nationaliste. On doit être nationaliste. Merci mon frère. On se battra pour ça. Bokeh a été trahi par ses enfants. La Haute Guinée a été trahie par ses enfants. La Guinée forestière a été trahie par ses enfants. La Moyenne Guinée et la Basse Guinée. Tous nos différentes régions ont été trahies par les différents enfants. C'est à nous de décider de dire qu'on n'a plus besoin de ces mêmes personnes qui ont démoli notre nation, qui ont amputé notre nation, qui ont mis notre nation en retard. Merci pour vos différentes interventions. On va continuer à conscientiser. Ils n'ont jamais voulu qu'on le fasse.